Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Final Fantasy VIII en version remaster. Et il est temps de rentrer dans Balimb. D'ailleurs, lors du précédent épisode, je dois avoir fait le speed deux fois parce que je pensais vraiment recommencer un épisode. Mais j'avais pas clôturé le précédent. Donc faudra... Si j'arrive à le trouver durant le montage, voilà. Trouvez le proviseur! Que se passe-t-il? Ils évacuent le bâtiment. Attrapez-le! Mort ou vif! Allez, vite! Quoi? Ok. Soin. Soin n'était pas maxé. Bon, maintenant, lui, il est maxé. Ok. Bon, ben, on est de retour à Balimb et il y a des choses bizarres qui se passent. Hein. Vous trois, de quel côté êtes-vous? Hein? Répondez! Êtes-vous avec le grand maître ou dans le camp de Cid? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Jurez-vous obéissance au nord, grand maître de la BGU? Oui, pour l'instant. Oui, nous jurons. Très bien, ramenez-nous Cid. Ses fidèles le protègent certainement. Tuez-le si nécessaire. On va bien voir la vérité. C'est Cid. En général, Cid n'est pas méchant. Un peu casse-couille. Bon, dans le Final Fantasy VII, il était un peu très... Voilà. Hein? Mais... Il n'était pas méchant. Il était juste casse-couille. Dans sa manière de parler. Brasier plus. Bah normalement je suis... Ouais ça c'est maxé, pas brasier mais bon voilà. J'ai voulu récupérer ce que je pouvais pour le brasier. J'en ai récupéré un peu mais... Comment dire que... Voilà, Lino est morte. Ah là 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 là. Ça m'apprendra honnêtement. Hey, de retour? Qu'est-ce qui se passe ici? J'en sais rien. Au début, il disait tuer les Cid. Maintenant, tous prennent parti soit pour le maître, soit pour le proviseur. Et ils s'entretuent. Bizarre. Le conseil de discipline est pourri. J'ai honte d'en faire partie. Pourquoi les Cid ont-ils la cible? Où est le proviseur? Il est vivant? Aucune idée. On doit le voir immédiatement. Les missiles Gabadia ont peut-être été lancés sur notre université. Quoi? Faut foutre le camp d'ici, oui! Mais ça va, on y va! On va prévenir tout le monde pour les missiles. Pour le moment, pas le moment de se battre. On va chercher le proviseur. Attention alors. Ça tire de tous les côtés ici. Attention à ces clowns des Templiers, hein. Avec qui es-tu? C'est le Kramer ou le Templier? Moi, je suis comme Fujin. On est avec Cypher, depuis toujours et pour toujours. C'est faire l'allié de la prêtresse. Vous êtes d'accord avec ça, vous? J'aurais voulu avoir le poids de sauvegarde, mais... Ouais, en fait, ça sert à rien que j'aille par là. Ou j'aille à l'ascenseur. Mais... Où est cet étage? Kramer est certainement caché ici. Bon, tant pis, hein. Qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Oh, un nouveau mob. Qu'est-ce que t'as? Glacier. On n'est pas maxé, soit on n'est pas maxé, scanon. Bon, j'arrive. Les trois magies sont maxées. Voilà. Bon bah on va chercher Cid, hein. En tout cas on va essayer de te chercher. Ça se trouve il est dans l'arène de combat, on va tout faire, on va voir ce que ça donne.
On dirait que si t'as des alliés valables. On va pas s'en sortir, appeler les monstres. Les aider. Allez, on est les immunes d'une fée. Et c'est qui le et les aider en fait? On aide. Ok, on affronte le bon, ok. Encore d'autres cides. Ah, ok, bon. Morphée, ça normalement on est maxé, cécité pas encore, bladin j'en ai maxé, ok ça va. Allez, maintenant on termine, j'ai récupéré l'ensemble des sorts. C'est relou, hein, faut être honnête. Voilà. Rock féerique, ok. Oh là là. Peux-tu te lever? Comment aidez-vous? Je suis avec le grand maître. Ne sois pas si ridicule, peu importe de quel que tu es. On soigne ses blessures maintenant. Squall, ne reste pas planté là, donne-moi un coup de main. Je croyais à ces histoires de factions, parfaitement ridicules. Je cherche Sid Kramer, il n'est pas caché ici. Où est-il alors? Je pourrais sans doute t'aider, mais je ne sais pas du tout où elle est. Pourquoi la cherches-tu? Je peux lui dire qu'il y a des missiles qui se dirigent sur moi en ce moment même. Vous aussi, vous ferez bien de partir. Oh mon dieu, terrible! Je dois absolument rester. Qui prendra soin des blessés si je pars? Jusqu'au bout, hein. Elle a mon chapeau. Wizard n'est pas là. Hé, hey, Squall! Qui es-tu? Mais c'est moi! J'étais avec toi chez le proviseur Kramer après l'examen du CID. Ah, ok, mémoire. Toujours le même, Squall. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Bah même moi, je me souviens pas de qui t'es. Bon, ici c'est bon. Je peux avoir une sauvegarde, s'il vous plaît. J'ai quand même récupéré quelques magies. Pour pouvoir les sauvegarder. Mais j'étais déjà venu par ici, c'est quoi ça? Tenez, il faut des renforts! La mort sera ton châtiment, pauvre adepte de Cid! Eh? Mais depuis quand tu sais que je suis... Bah, peut-être parce que j'ai attaqué l'autre côté. Peut-être. Bon, il y en a qui va dégager direct. Vite fait, Serf! Faites vite, Serf! Oh putain. Ah, ok. Regardez, glacier, on est stocké, soit on est stocké, soit... C'est bon, allez dégage. Chaque mob peut avoir des sorts différents en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder chaque mob. Il y a juste l'autre là que je préfère éviter parce qu'il explose et il tue quelqu'un avec. Donc ça m'intéresse pas trop. Ah si, ça me dit quelque chose. Oui, voilà, ouais. On nous avait pas TP là la dernière fois directement. Oh, pas grave. Bon, next one. Monsieur! C'est pas le cas. Ok. Qu'est-ce que... C'est juste une image. Plutôt sympa, non? Tiens, prends ça, ça pourrait être utile. Red Cross, ok. Comme tu peux le constater, il n'est pas ici non plus. Bah, on continue notre recherche, c'est pas grave. Une chose à la fois, comme on dit. Nous voilà à la bibliothèque, là... Je pense dernière zone, à moins qu'il y en ait une qui n'est quand même pas faite. Je me sens avoir fait les 6%. Merci de ton aide. Wizard, je sais pas où il est. Échoue. Ouais, quoi. Fais de mon mieux, comme tout le monde ici. Tiens, ça pourra te servir. Ouais, merci. Ça me fait un deuxième remède qu'on me donne, c'est cool. En fait, c'est pas ici.
Mais bordel, il est où? Sérieux, il est où? Ah, elle est là au-dessus, ok. Elle est montée. Ouais, let's go, hein. De ce qu'on a lu, je crois que c'était Core Life, même pas sûr. Chou serait la seule qui sait où se trouve Sid. Donc, à voir. Pas classe. Non. De quel côté es-tu? Je ne suis d'aucun côté. Nous avons des informations urgentes à communiquer au Freezer. Où est-il? Je vous écoute. Les Galbadia vont envoyer des missiles sur BGU. Des missiles? Je vais lui dire immédiatement. Où est-il? Dans ses quartiers. On a fait croire qu'il se cachait, mais il est resté ici tout le temps. Suivez-moi. Ok, c'est quoi ces portes suspectes? Sérieux? Bon, on va quand même aller voir. Je suppose qu'on pourra rien faire avec pour l'instant. Sortie de secours, utilisée en cas d'urgence, ok. Oh. Ça s'ouvre. C'est quoi? Oh, bon point, ok. Hop, tu dégages. J'ai pas envie qu'il explose, tu dégages. J'adore ce temps, cette brise. C'est parfait. Avec le... l'attaque en cours, ok. Why not? Fais ce que tu veux. Il t'attend. Je vais dire à tout le monde d'évacuer maintenant. Ok. Rien, rien, ok. Toi. Monsieur. Je suis pas prévenu au sujet du missile. Les lignes sont coupées. Nous ne pourrons plus ordonner l'évacuation. Shurajin et Fujin s'en occupent. Tu dois les aider. Ensuite, vous quitterez les lieux. Qu'a-t-il en tête? Mais j'ai un rapport à faire. Tu me le feras plus tard. Vous serez peut-être mort plus tard. Est-ce que ça te pose un problème? Oui, qu'allez-vous faire? Monsieur, qu'allez-vous faire? Je vais rester jusqu'au bout, après tout. C'est chez moi ici. Non, vous n'avez pas le droit! Venez avec nous, je vous en prie, vous pourrez toujours repartir à zéro. C'est pas une bonne idée, ça. Soyez tranquille, je veux juste tenter quelque chose. Il y a peut-être un moyen de sauver l'université. Face à des missiles? Comment? Oh, je suis trop vieux pour ça, moi. Monsieur, je reste avec vous, quel que soit votre plan. Et pourquoi ça? Pour ça, le jeu ne veut rien entendre. S'il te plaît, le jeu réagit. Ouais, le jeu veut strictement rien entendre. Parce que je vais être utile et que c'est aussi chez moi ici. Les sentiments n'ont rien à voir là-dedans, monsieur. Ah, Kistis a raison. Tu as vraiment du mal à afficher tes sentiments. Mais pourquoi tout le monde veut jouer au psy avec moi?
Monsieur, je vous en prie, expliquez-nous votre plan. Cet endroit était un refuge avant de devenir une université. Utilise cette clé pour déverrouiller l'ascenseur. Tu pourras ainsi accéder au niveau MD. On dit qu'en dessous du niveau MD, il y a une salle de contrôle. Elle est utilisée quand cet endroit est un abri. Je ne l'ai jamais vue. Et je ne sais pas à quoi elle sert. Il paraît qu'on l'utilisait en cas d'urgence. Comment ? Aucune idée. Il trouvera peut-être de quoi nous protéger les missiles. Je l'espère. Ça a l'air un peu confus, mais c'est mieux que rien. J'ai compris. On va retrouver cette salle et voir ce qu'il y a dedans. Bonne chance à tous. Petit sushi technique. Ça ne marche pas. Bien vu, Squall. Ça fait longtemps que personne n'est venu ici. Hein. Fais attention alors. Vous n'êtes pas un peu proche là? J'ai entièrement ma tête dans. Voilà. Et on a intérêt à descendre vite parce qu'il y a le truc qui va lâcher, c'est ça? Non? Me disait bien aussi! Je me disais aussi! Un peu trop. Simple. Avoir sans doute des monstres qui craignent le feu ici. Si l'image élémentaire de feu, on n'aura rien à craindre. Ma capacité élémentaire A, oui, c'est bon. Parce que t'as. Oh, me fais pas ce truc, s'il te plaît, ça fait déjà 20 fois que je l'ai fait, ça part à quoi. Ah, certes. J'aurais bu. Fais attention. Si à un moment donné c'est nécessaire ou pas, parce que voilà. Pour Réval, va appuyer plusieurs fois sur X pendant 10 secondes. Je l'ai fait plusieurs fois. T'es gentil, mais... Voilà, bah, ah, on va se mettre à plusieurs au fur et à mesure. Il nous aidera pas directement, Irvine, non? Ça sera pas plus rapide que de devoir recommencer juste après. Non. Ça va pas le faire avant? Non, mais sérieux! Merci. Une longue descente. On s'en fait.
quand même bizarre tous ces tubes. Hein. C'est quoi tout ça? Ok. Et qu'as-tu comme monstre? Chauve-souris. Non. Enfin, oui. Plus ou moins. Brasier, faute glace, sur tout ça. Ah, ok. Il n'a pas tant apprécié, j'ai l'impression. Oh, oui, Max. Oh, pas bien, non. Il n'a pas. Non, il y a une échelle. Faut remonter. Mais où on va comme ça? Je vois cette pièce. C'est quoi la suite, Skoll? Bah... On n'a pas le choix, allons-y. On n'a pas le choix, allons-y. On y va tous, il n'y a pas d'autre solution. La déchelle ne supportera jamais le poids de 3 personnes. Là, c'est bon, j'ai compris, je vais y aller seul alors. Et j'ai encore mon fric, c'est bon ça. Ah oui, en effet, elle aurait pas supporté le poids de 3. Mais alors, vous pouvez monter. Ça devrait supporter. De descendre par là. Bon bah je redescends par là. Hein. Je vais utiliser l'échelle. Bah pas le choix, ouais. Voilà, tout va bien. Ça peut aller. Tu vas voler à bord, hein. Un peu. Ouais, mais c'est pas le moment de souffler. Le missile a peut-être déjà été lancé. Alors, normalement ils ont été lancés, on le sent la vue. Mais avec un taux d'erreur très important. Espérons que ça suffise. Hey. Ouais. On va d'abord éliminer ça. Voilà. Bon, je récupère un peu tant que je peux. Ici c'est bon. On va remonter. Je me pose la question là honnêtement. What? C'est quoi ce truc? Aphasie cécité. Je monte à aphasie cécité au max. Erwin, j'ai pas fait attention. C'est bon. Bien, Squall 4 a les 2000 PV, c'est cool. Je vais pas tomber, s'il te plaît. Merci. Vodna. Ok. Voilà. Il y avait un truc vert qui clignotait. C'était trop compliqué.
Ah, point de sauvegarde, ça c'est bon ça. Marrant comme d'hab. Est-ce que c'est un nouveau monstre ou... Ah, des flancs! Avec un putain de truc à coup de folie à derrière. Blada, chasseté, furie. Zombie. Bladage, ok. Déjà, lui. 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 Lui, on ne le veut plus. À cause de ça. Parfait. Alors normalement il faudrait utiliser la magie, hein, mais... Honnêtement, je crois il fait bien, bien les dégâts. Je vais toujours regarder aussi pour Blada, côté max, hésité max, fury max, ça va. Ça va. Ils sont bien maxés, c'est bon. Voilà. Parfait, on va pas dire non. Invocation plus 20%. Ok. Il y a donc une invocation plus 3%. Rien d'autre ici pour l'instant, donc bah, on continue l'augmentation des dégâts possibles par Ifrit, hein, sans souci, sans souci. Je ne vais pas dire non. C'est pas par là? Non, sérieux, c'est pas par là? Est-ce que, par hasard, ce serait pas juste ça? Si, c'est juste ça. Je l'avais même pas vu. C'était un élément de décor pour moi. Ah! Bon bah. Boss fight! Bien dégueulasse. Oh, Suna, c'est... On va stocker les Suna, ça c'est bien. Et voilà. Il fait un peu... technique parce que j'essaie vraiment de récupérer un maximum de sorts. Ce qui fait que j'ai deux personnages qui sont morts. On doit se dépêcher, ils ne vont pas tarder à arriver maintenant. Mais c'est pas grave. C'est lequel qui a volé, je m'en souviens plus. C'est pas lui. C'est pas elle. Non plus. On se doit être elle. Ok. Il n'y a pas plus haut que ça, donc ça doit être ça. Excepté s'il y a quelque chose d'intéressant ici. Non, donc ce serait un peu plus important. C'est quasiment bon ici. On va juste aller sauvegarder. Évidemment, combat, sinon c'est pas marrant. On dirait qu'on est arrivé. Que doit-on faire ici? Bonne question. Appuyer sur des boutons peut-être? Comment pourrais-je savoir, même Sid n'en sait rien?
Vous savez ce que je lui fais, Squall? Mais oui! Non, j'en sais foutre rien! Vous avez une solution? Hein? Qu'est-ce qu'on a fait? L'électricité, ça pue un peu là! Reste pas là peut-être? Bonjour Sid! Possible. Attention les missiles! Ah, attention, 80% d'erreur, c'est bon, voilà. Oh, l'académie se déplace. Ouais, non, l'académie se déplace. Ok. On a une académie nomade maintenant. On bouge ? Alors c'était ça le secret. C'est impossible. Impressionnant. Comment réagissent les élèves? Allez Squall, on y va. Ouais, allons jeter un coup d'œil. Descendre. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis planqué pendant un moment et maintenant c'est le chaos. C'est pour moi pour toi, pas toi? Courage, allez! Ah vraiment, la lame d'un vrai chef. Élève numéro 109. Mais c'est quoi ce délire? On nous avait jamais dit que ce truc pouvait voler. C'est de la folie. Bon, bon, on se calme. On respire beaucoup. Voilà. On sort. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est resté assis là, à rien faire, alors que tout ça nous porte au nez. AVC! AVC! Merci. Hé, tu as mis le nez dehors? C'est ahurissant! Va sur le pont, dans le hall! Qu'est-ce que j'ai mal, ça me tue! Bon bah y'a un gamin qui était là, j'avais pas vu, c'est pas grave. C'est incroyable, va vérifier! Je peux pas aller là? Non. Merci pour la paye! C'est un peu abrupt le retour, mais surtout au niveau de la musique. Mais why not, why not? Mais c'est des classes. Squall! Ici le proviseur.
Squall, reviens sur la plateforme. Squall, les commandes ne rentrent plus. Qu'est-ce que je dois faire? On va s'agraser sur Ballon City. Faut faire quelque chose. C'est horrible. On doit faire quelque chose. La ville est devant nous. Squall, on fait quoi? Aucune idée, moi. Squall, remue-toi, putain. On approche, fais quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ça y est, on tourne. Waouh, on a failli mourir là. C'est pas possible, on va tous couler. Accrochez-vous à quelque chose. Félicitations à tous, on a, semble-t-il, échappé au pire. Mais où on va là? On va dériver pendant un moment, je pense, jusqu'à trouver comment manœuvrer notre navire. Nous allons pouvoir nous reposer un peu. Profitons-en pour fixer notre stratégie. Mais où est-ce que je vais dormir moi maintenant? Au beau milieu de l'océan. Depuis combien de temps sommes-nous en route? Il n'y a plus grand chose à faire maintenant. On s'est occupé de tous les monstres dans l'université. Oh, je dois aller faire mon rapport à Sid. J'ai plein de questions à lui poser. Il est certainement débordé par la remise en ordre de la fac. On est tous déboussolés. Pourquoi je suis aussi sensible? Je déteste tourner en roue comme ça, toutes mes pensées restent en vague. J'espère que Selfie et les autres vont bien. Fallait-il les laisser partir? Qu'en pense Christie ses ailes? Après 13, tout est de sa faute. J'ai des missiles contre nous? Cypher va-t-il se sortir de ses griffes? Telle est la question. Hé hey! Je suis mignon, tu dors comme un bébé. Allez, Squall, lève-toi, on y va. Et pour aller où? Fais-moi visiter la BGU. Et qu'est-ce que c'est, un ordre? Non, je veux juste que tu me montres les lieux. Je me sentais plus à l'aise comme ça. S'il te plaît. Très bien. Petite question, Linoa. Quand on a buté tous les monstres qu'il y avait dans la BGU, on n'a pas fait le tour de la BGU par hasard. Mais bon. Détail technique, je suppose. Cet endroit est gigantesque. La fac de Galbadia est-elle aussi grande? Peut-être. C'est vrai qu'elle avait quand même une certaine taille, mais je pense que Ballon est plus grande. Mais je peux me tromper. Alors normalement, on a buté tous les monstres, ils avaient dit. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Le parking. Et là-bas? La cafétéria. Squall, c'est très gentil de me faire visiter, mais tu ne pourrais pas essayer de rendre ça un peu plus amusant? Du genre circuit touristique? Moi? Un guide touristique? Sérieusement, tu demandes ça à Squall? Et voilà le parking! Fascinant! Tu trouves? Laisse tomber, on y va. La cafétéria! La nourriture est bonne, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Alors, faut faire la queue. Les bretzels sont, paraît-il, délicieux. C'est peut-être un mythe, car je ne vois jamais personne manger de bretzels ici. Les gens qui font la queue volent tous des bretzels. Intéressant. Pourquoi tu ris? Je suis tellement sérieux dans tes explications. C'est toi qui m'as demandé de te faire visiter, non?
Je voulais pas te vexer, désolé. Et ensuite? Vous avez tout vendu. Comme d'hab, quoi. Le x3, ça change la vie. Hein, ouais. Et j'essaie de vous parler, même. Non? Regarde l'océan, j'oublie la totalité de mes cours. Non. Non. Ah si. L'océan semble infini, non? C'est un peu effrayant. Il n'y a plus le cours. La vie, c'est bien. J'aime voyager, pas toi? Je n'oublierai jamais cette partie de ma vie. C'est vrai? On restera amis après la remise des diplômes? N'oublie pas de m'inviter à ton mariage surtout. Vous aussi, d'accord? Et si on restait célibataire? Discussion de filles, c'est ça? Je m'inquiète pour mes parois, Balambe. Parce qu'il faut savoir dire adieu. On va peut-être éviter quand même, non? Quand même. Bonjour Squall, t'en vas pas trop souvent te prendre au bras d'une fille. C'est ta petite amie peut-être? Non, mais peut-être plus tard, je sais pas. Non, je lui fais juste buter la fac. Voilà. Je veux pas dire oui, juste pour me faire plaisir. D'accord, oui. Hein? Oh alors, laisse tomber. Vous êtes adorables tous les deux. En fait, savez-vous où se trouve le proviseur? Ouais, comme un fou celui-là. Tu te passes me voir à la fermerie si vous le voyez. Je suis en numéro 41269, Squall. Oui. Le grand maître désire te voir, rentre dans le temple. C'est où? Prends l'ascenseur jusqu'au sous-sol. Tu en as l'autorisation. Normalement, il y avait le truc ici. Bah, il y avait le TP. Non, pas le TP, le point de sauvegarde. Bibliothèque, mais je suppose que tu me montres rien, non? Et Suna. Ça tombe bien, Squall n'avait pas tout, maintenant. Il a. Fille à la queue de cheval. Si tu cherches un livre, préviens un membre du comité de lecture. Il se fera plaisir de le trouver. Ok, why not? Et donc. Les arènes. Je pense pas qu'il y ait encore de monstres ici, on est censé avoir tout nettoyé. Rappelle ça en plus de T-Rex quoi. Un nettoyage de mes deux quoi, sérieux! Le T-Rex a pas mal de PV. Et fait mal. Je disais qu'il faisait un peu mal quand même. Oui, c'est très amusant, les combats dans ce jeu. Je vais tomber, s'il te plaît. Ça aurait été marrant que le chien de Lina le couche à terre. Le double KO.
Ah, oh, ça, ça fait mal. Bon, c'est pas grave. On sait qu'il y a des monstres là, donc on va pas y retourner. Hein. Même si je fais un peu plus attention, ça passerait. Hein. Osef. Bon, à première vue, il faut quand même que je refasse le truc. Mais bon, ça, vous l'avez déjà vu une fois, je vais faire en live. Après, on ira au sous-sol pour voir le fameux grand maître. Et juste pour le fun, on va répondre oui cette fois-ci. C'est ça. Comment? Attention, je vais y croire. Oh. J'exprime mes désirs. Ce sera bientôt le cas, non? Mais je... Je plaisante. Qu'est-ce que tu crois? Hein? Ton sens de l'humour me dépasse un peu, là. Ça, on l'a déjà vu. C'était marrant. Par contre, il aurait... Je sais pas si le... c'était une blague. Ça, on l'a déjà lu. Était à dire. S'il te plaît, écoute-moi. Quizzer. Ici. Oh. Irvine revient. Qu'est-ce qui se passe? Hein? J'avais juste envie de descendre. Je vous ai pas suivi du tout, ni rien. Lâchez-moi. Je t'ai pas terminé. Tu borné. Je me demande pourquoi je perds mon temps avec toi. Les Sith ont été formés pour le futur. Et le futur, c'est maintenant. Pourquoi refuses-tu de comprendre? Seigneur, je n'aurais jamais dû te faire confiance. Si je pouvais revenir 10 ans en arrière, j'aurais dû voir qu'il n'y avait que l'argent qui t'intéressait. Je n'aurais jamais construit cet endroit. Quoi? Tu as tout entendu? J'ai eu du mal à pas entendre, surtout. Je suis désolé. Parfois, même les vieux profs comme moi perdent leur sang-froid. Sortons d'ici. Oh. Monsieur, je dois vous faire mon rapport. Passons à mon bureau un peu plus tard. Again. Plus tard. Vous êtes les Sith qui rentrent de Galbadia, n'est-ce pas? Oui. Il était temps. Le grand maître Norg vous attend. Suivez-moi. Grand maître Norg te quémande, tu dois arriver dans les 3 secondes. 3 secondes! Un monstre? C'est lui le recteur de la BJU? Le propriétaire de la faculté? C'est l'humain? En fait, on n'en a jamais rien su. Quel choc! Ah bon? Fais ton rapport sur la prêtresse! Ok. Par où je commence? Réponds vite et sois précis! Non, pas pu tuer la prêtresse Edea. Vraiment concis comme rapport. On a aussi la confirmation de site à la fac de Galbadia. Kirvin Kineas a tiré de Galbadia et rejoint notre groupe. Nous nous sommes appliqués à exécuter l'ordre d'élimination de la prêtresse, selon le désir de Balamb et de Galbadia. L'ordre de Balamb et Galbadia? Tout ceci n'est qu'une supercherie! Qu'est-ce qu'il raconte? Ne comprends pas. Expliquez-leur! Maître Nord connaît l'alliance entre Galbadia et la prêtresse. C'est le recteur de l'université de Galbadia qui l'en a informé. Le faux viseur de Galbadia. Le recteur de Galbadia est un de mes vassaux, un homme Martine.
Chaque faculté possède des bataillons de haut niveau. C'est pour cela qu'un prêtresse essaie de prendre le contrôle de toutes les universités. Maître Nork a donc envoyé un ordre prioritaire à la faculté de Gabadia. L'ordre d'éliminer la prêtresse, par tous les moyens, y compris le meurtre. Mais... Martin, ce sournois, s'est servi de toi pour l'assassinat. Il savait qu'en envoyant un des tueurs de Balabia, la faute tomberait sur la BGU. Quelle sale vermine! Je croyais que c'était Sid qui avait donné l'ordre de tuer LDA. Tu es arrivé juste avant l'exécution de l'ordre. Ils vont en utiliser. Mais l'opération a échoué. Edea est toujours en vie. Et elle se venge, comme nous l'avions imaginé. C'est elle qui a donné le lancement des missiles, ça ne fait aucun doute. Nous devons faire quelque chose pour calmer la prêtresse. Pour montrer notre bonne foi, nous allons livrer tous ceux qui ont participé à la tentative d'assassinat d'Edea. Hé, mais c'est... Pour survivre, nous devons lui offrir la tête des six sur un plateau. Quoi? Pourquoi pas affronter la prêtresse? Quoi bon se donner tant de mal à l'entraînement? C'est juste théorique. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as échoué face à la prêtresse. Arrête de jouer au héros humain. Particulier comme schéma de pensée. Sid disait la même chose. Hé hey! Sid? Sid sont à la botte de Kramer, ce traître. Je ne laisserai pas l'œuvre d'une vie partir en fumée. C'est intolérable, mon université. Sid a oublié que c'est moi qui ai rassemblé les fonds pour cette université. Je voulais offrir la tête de Sid et de tous ses adeptes à la prêtresse. J'ai ordonné aux étudiants de trouver Sid, mais ils se sont ralliés à lui. C'est ma création. Non, ce n'est pas seulement la vôtre. À qui crois-tu qu'elle appartient alors? Ce couple pathétique, c'est d'aider à les vieux amants. Oh. Comment? Si des DA sont mariés? Attends, amant veut pas dire marié, hein? Je comprends rien là. Tout est clair maintenant. Si DDA essaie de prendre le contrôle de l'université. Tu es un adepte de ces dons. Prépare-toi à mourir. Squall! Ok. Spécial quand même. Non, bleu, jaune, rouge. La rouge, couleur de magie. Tant que je vais du rouge, les forces occultes seront avec moi. On peut voler soit plus. Qui a quasiment plus d'HP. L'armure de Nork, vous devrez d'abord la détruire avant de pouvoir attaquer le redoutable Shumi. Ok. Antisort, folie, somni. Foudre plus, vie, cyanure. Ok. Okay.
Maintenant que j'ai récupéré toutes les magies, j'ai même récupéré une nouvelle invocation. Comme ça, on la verra après. On peut attaquer notre cible. Et faut pas laisser en rouge, sinon ça devient vite ennuyeux. Il est à son squad la glace. Il est protégé à 100%. On va y arriver. C'est impossible! Bah voilà, terminé. Léviathan. Donc faut lui voler, sinon vous pouvez pas l'avoir, ok. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Oublie-le pour l'instant. Tu es incroyable. Tu parles comme si rien ne s'était passé. À quoi ça sert de discuter? Personne ne sait ce qui se passe ici, de toute façon. Je ne sais plus. Je ne vois plus. Je ne comprends plus. J'ai l'impression d'être un pantin à trimballer dans tous les sens. S'il va nous aider. On va juste aller faire la bordage chez Force quand même. Ah ouais, le loir. J'en ai loupé? Peut-être. Avant que je comprenne comment fonctionne le jeu, c'est possible que j'en ai loupé. Défense élémentaire x2, acquis, psy, acquis, magie. Oui, j'ai force volée, ok. Arnica, ok. Psy 20%, autopotion. Oh, c'est intéressant ça. Invocation plus 10%, mais voilà. Autopotion, c'est... Ah ouais, c'est même pas un truc, c'est automatique. Ça peut être intéressant ça. Disons-le. Alors, on va prendre en premier. Et... Ceci est peut-être vers Squall alors. Il fait psy aussi, mais il y a magie derrière, donc ça peut être intéressant. Mais. Est-ce que ce serait pas plus intéressant avec quelqu'un d'autre? Non, psy il l'a déjà. Ah, par contre, elle a absolument pas psy. Mais il y aurait magie. Donc. Peut-être que jusqu'à présent j'ai fait une mauvaise. Ah non, elle n'a que celle-là. Ah, ok, une fois qu'il est déjà associé, elle va te faire foutre. Je vais pas la désassocier comme ça. Ça, on est vite. 24. 42 pour folie. 45. Bon, on va sûrement être des meilleurs. Hein. 49, mais c'est Suna, je dois l'utiliser trop souvent. Vie. Vie, je l'utilise pas si souvent que ça. Antisort, 74. Voilà. Si j'en ai une deuxième. La vie qui augmente plus de 30%. Comme j'ai dit, ça, je l'utilise pas si souvent que ça.
Bon, je vais peut-être leur mettre tous ça. Hein. Je veux dire qu'ils soient tous protégés à 50%. Les glaciers. Oui. Le Vimax serait intéressant plus tard, je pense. Pour la psy, je pense que le nouveau lac qu'on a eu peut-être pourrait être intéressant. Anti ça. Ouais, 99. Oh. C'est bon ça. Longue vie, comme on a dit, comme ça, toi 50%. Somni. Zombie et furie pour, au niveau des protections. Il y a folie aussi, je devrais pouvoir me protéger, mais bon. Zombie est relativement. Ah, quoique. Zombie est dérangeant, mais peut-être moins que. Mais folie, je ne l'ai pas si souvent que ça. Donc on verra bien si à un moment donné j'ai la possibilité de rajouter d'autres. Éléments. De ce que j'ai pu voir quand j'ai voulu me dire quelles sont les magies intéressantes, ça avait l'air d'être le cas. Mais bon. Chose à la fois. Cyanure. Je suis stacké pour cyanure. Ah oui, cyanure aussi, ça fait quoi? Je l'ai pris, mais je voulais savoir ça, ce que ça faisait. Quel est son effet à cyanure? 1700 ici, mais je suis déjà. Ah. Pour ça, j'ai mes rafales. Ouais, boomerang qui est très très intéressant. Juste. Il y a le stop aussi. Je sais pas à qui je l'ai mis pour l'instant. J'ai mis Somni. Est-ce que Somni est plus intéressant? Le 1200. Ah, cyanure est plus intéressant. La cyanure peut servir ici. Ça sert à quoi? Une base, ça c'est la question que je me pose. Ouais, pour tout ce qui est poison, ok. M'y attendez un peu, je vais l'avouer. Mais pour l'instant, s'il me donne plus de poids de vie, on va plutôt mettre ici. Hein. Les zombies me donnent encore plus de poids de vie. Mais parce que je peux utiliser ici anti-sort me donne plus encore de poids de vie. On va plutôt mettre anti-sort. Je pense pas que là j'aurais plus qu'anti-sort. Vie, mais bon, vie est très utile de l'autre côté. Donc, HP, on va mettre aussi Antisort. Ah oui, mais que j'ai mis en psy. Alors, Antisort est très très utile en psy. Beaucoup trop utile que pour pouvoir m'en passer. Et Suna, j'utilise totalement, constamment, donc c'est-à-dire que ça va baisser mes PV, ça sert pas à grand-chose. Stop. Boomerang, qui est encore meilleur, même si je suis pas à fond. Apparentissor, je pense. Heavy. Donc ça, c'est des trucs que j'ai bien d'autre part. C'est juste qu'actuellement, je n'ai pas de psy avec lui, donc... Mais bon. Vaut mieux quand même associer correctement, sinon après, je vais l'oublier. Non, je crois qu'il y a autre chose. Ah, boomerang, mais j'ai pas boomerang avec lui. Ok. Et vigueur, même chose, il n'y a pas autre chose que rafale. Ah si, folie déjà, je monte à 96. Voilà. J'en ai besoin autre part, donc si possible autre chose. Cyanure, 99. Je peux utiliser cyanure ici. Pour l'instant, ce sera mieux.
Et j'ai pas autre chose pour l'instant. Elle, elle a pas. Je peux toujours regarder ce que j'ai d'autre ici. Oups, pas ce que je voulais faire. Bien d'améliorer ce que j'ai déjà, carapace. Mais t'aurais que j'aille mieux que carapace, hein, honnêtement. Ah, quoique. Ah non, vie. Voilà, je peux pas utiliser vie. Cyanure de nouveau, mais mon cyanure est très très utile pour Vigueur, que j'ai pas encore actuellement. Stop 83. Je crois que le cyanure était moins bon, exactement. Donc, je vais mettre stop là. Ok. L'antisort, je vais le placer, donc par définition, il sera pas rose. Il a la vigueur. Cyanure 50. Et là, c'était. Stop. 51. Je pense pas que je vais mieux. Ok. Carapace. Cyanure de nouveau. Je pense pas que je vais mieux. Excepté vie. D'ailleurs, qu'il n'a pas vu. Ok. C'est déjà mieux, je pense. Voilà, j'ai dit. Ok. On est déjà mieux, je trouve. Je ne sais pas pour vous. Oh, il est à 1900 quand même avec ça. Mais Erwin n'est pas monté pour quelle raison? Parce qu'il n'a pas HP, c'est ça? Ah, il n'a pas HP, c'est pour ça. Comment je peux sortir, moi? Comme ça, ok. J'espère donc que cet épisode de plus d'une heure vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a idéalement au moins une vidéo par jour sur la chaîne. En attendant, n'hésitez pas à prendre soin de vous. Bye!